C'est pas pour manger, Xena. Hé, gros pitbull, c'est pas pour manger? Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais, hein? Je casse. Non, mais sérieux, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me casse. Pourquoi tu fais ça en tapis? Il y a un corps dedans. Stop. Non mais sérieux, tu te barres où? Bah loin. Arrête. Avec ça. Non mais sérieusement, tu fais quoi? Je me casse. Y a-t-il un problème? Non mais sérieusement, tu fais quoi? En plus, avec la voiture pleine. Je m'en vais. Tu t'en vas où? Loin. T'as pas idée. Oh si, j'ai oublié un truc. T'as oublié quoi? Quelque chose de très important. Putain, le garage il est vide, gros, je le reconnais plus. Ça, pardon. Je le reconnais plus, il est vide, le garage. T'as fait quoi, bab? Non, mais explique-moi, je comprends pas là. J'ai pris toutes mes affaires. Toutes mes affaires? C'est pas des affaires, c'est de la merde, ça. C'était ce qui était et dans le garage. Tapis, des portes de placard. Non, en vrai, je me casse pas très fort. Tu vas où? Arrêtez, je suis. Genre, vraiment, je devrais avoir un abonnement, tu sais. Mais attends, en ce moment, t'es abonné à la déchetterie. La semaine. Genre, vraiment, j'y vais tous les jours et j'ai un problème. Et les gars, je crois que ça fait une semaine, tu vas tous les jours, bah, la déchetterie, tu fais quoi? Je sais pas, je jette. Même les chiens, ils pleurent, il est pas content que je tu fasses. Mais reviens, les pio. Ah, Pico, c'était comme merde. Regardez, c'était comme merde. Qu'est-ce que tu fais, Pico? Non, mais sérieusement, tu vas tous les jours à la déchetterie, faut que tu te calmes un peu, là. Regarde le garage, comme il est beau. On déménage pas tout de suite. Hein. Oui, je leur ai montré. Non, pas presque. Presque! J'en ai marre d'attendre, je peux plus attendre, j'en ai plein le cul. Toi, t'es déjà parti, toi en fait. Ah, ouais, je suis déjà parti là, mais depuis longtemps. Je l'ai vu, il est vide le garage. Tu sais que je l'ai jamais vu comme ça depuis qu'on est arrivé ici, je crois. J'ai jamais été aussi fier de moi-même. Non, mais t'es une malade mentale, bah faut que t'arrêtes de vider des trucs ou quoi. On n'a pas encore déménagé. J'en ai marre. Là, limite, je peux habiter dans ma voiture. J'ai pris l'entièreté de ma maison. Vraiment que tu te calmes. En fait, maman, elle a pas compris le principe, en fait. Pour ceux qui savent, on va bientôt déménager. Voilà, on vous en dit pas trop plus. Mais c'est pas tout de suite, tu vois. C'est dans les mois à venir. C'est sauf pas... que moi, j'ai pas de mois à attendre, là. La saturation, vraiment. Non, mais moi, j'aurais pensé que tu me laissais tout seul, là, quand je t'ai vu descendre avec le tapis. Genre que tu partais, mais tu partais toute seule, genre. Mais frère, est-ce que j'ai une tête à te laisser tout seul? Pas du tout. Mais presque. Je laisse tout. Est-ce que tu vas l'emmener à la déchetterie, ta voiture? Non, je vais l'emmener à laver. Ah ouais, j'avoue qu'elle la est pauvre, sale. Elle en peut plus. Regardez ça, les gars, quand elle est sale. Oh. Ouais, t'as fait le désert du Sahara avec, regarde. Ouais. C'est incroyable. Non, mais le truc, c'est qu'il a plu. Ouais, j'étais dans le petit trou, là. Il a plu, du coup, elle est dégueulasse. Je peux monter avec toi? Je peux venir à la déchetterie? Vas-y, viens. Genre, tu m'invites? Ouais, viens. Je suis jamais convié à tes trucs, moi. On dirait trop, je vais au bar et tout. C'est une malade mentale, les gars. Genre, dites-vous qu'elle finit le live. Quand on finit les lives le soir, elle range. Enfin, elle range, elle trie les trucs. Je range pas, je trie. Voilà. Je suis quelqu'un de très bordélique, je ne range pas. J'avoue, en vrai de vrai, c'est bien parce que de base, voilà, elle est bordélique. Et là, vu qu'elle sait que peut-être on va bientôt déménager, bah, elle fait que ranger, que trier, etc. etc. Dites-vous qu'après les lives, elle trie. Que le matin, en se levant, et je peux vous dire, quand je vous dis le matin, c'est le matin. Alors d'habitude, elle se lève jamais vraiment tôt. Donc, franchement. Chapeau. Quoi, qui ça? C'est quoi? Je te tire mon chapeau. Même si j'ai pas de chapeau, je te tire mon chapeau. Merci. T'es une malade, bah, je pense franchement. Que j'ai un problème mental. Est-ce qu'il y en a qui ont des blocages, des périodes, genre comme ça, des blocages? J'ai peur, même. Vraiment, ça fait une semaine que je fais ça. Alors que je suis quelqu'un, mais vraiment demandeur, vraiment. J'avoue, c'est la meuf la plus bordélique qui, de la planète, qui, mais vraiment. Qui existe. Genre, tu vois, Vaval pourrait passer dans l'émission, genre dans les émissions, je sais pas si. Arrête, c'est du propre. Non, c'est pas, c'est du propre. Je sais pas si vous connaissez les émissions là où. Ils peuvent plus passer. Genre, ils filment, genre, ils peuvent plus passer dans leur maison, dans leur appartement, il y a tellement de bordel de partout. Avoue que Bob, limite, des fois, c'est ça. Non. Non, parce que eux, genre, c'est dégueulasse. Moi, c'est juste qu'il y a du bordel partout, tu vois. Ridicule. Ridicule, ce mec. Bon, allez, je me casse. Salut. En train de partir. Bon, elle est en train de partir. Ouh. Je vous assure, c'est une folle, les gars. C'est même pas moi. Il y en a, ils me diraient Roro, aide là, etc. etc. Mais j'ai même pas l'aider. On déménage même pas encore, les gars. Dites-vous qu'on déménage même pas. Même les chiens, ils se demandent ce qui se passe. Regardez. Qu'est-ce qui se passe, les chiens?
Ils sont fous. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette vidéo pour vous dire que Vava est devenue un petit peu malade dans sa tête. Tous les jours, elle range, tous les jours, elle trie, etc., etc. C'est devenu n'importe quoi, c'est devenu une lubie du jour, tu vois. C'est devenu son nouveau blocage, genre en mode, ouais, on trie, on range, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Ça fera ça de moins à faire, on va dire, au niveau quand on déménagera. Non, 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 les chiens, venez. Et moi, pendant ce temps, bah, je fais rien. Comme vous l'avez compris, vu que Vava est bordélique de base, je suis quand même content qu'elle soit comme ça et qu'elle prenne ses responsabilités entre parenthèses. Après, je me dis vraiment c'est trop parce que tous les jours en ce moment, elle est en train de trier des affaires à nous, d'aller y jeter à la déchetterie, y donner, etc., etc. Bref, vous m'avez compris. Mais du coup, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je suis souvent tout seul en ce moment, vu que Vava fait que ranger. Et bref, c'est pas grave les potes. En tout cas, pour cette fin de vidéo les potes, je tenais à vous souhaiter de bonnes vacances parce que tous les Français normalement, ils sont en vacances ce soir. Enfin, tous les Français. Tous ceux qui sont dans un cursus scolaire, du moins. Tenez juste à faire un petit mot pour Rania en cette fin de vidéo, même si on n'en a pas fait une vidéo. Cette gamine, on l'aimait tous et franchement, j'ai envie de le dire en vidéo. Chacun pense à elle à sa manière. Elle nous a énormément attristés avec Vava, surtout qu'on s'était vraiment attaché à elle, même si on la côtoyait pas et on lui parlait pas avec Vava, mais tout simplement, à travers les vidéos, on s'était beaucoup attaché à elle. Ça a beaucoup attristé le YouTube France, tout simplement. J'espère que de là-haut, elle nous entend et elle voit tous nos messages. Nous, hier, c'était notre choix, on n'avait pas forcément envie d'en parler en live, on était déjà assez triste comme ça. Voilà, je voulais finir sur ça, même si, comme je vous ai dit, on n'a pas voulu en faire une vidéo. Je trouvais ça pas correct, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Pour cette fin, les potes, on se dit à ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace!